Eh ouais, me revoilà de retour, les amis! Mes chers Mounigafkou! Hein? Avec le casque? Eh ouais, le casque! Cette fois-ci, je suis pas de l'autre côté parce que là, il y a les petits bézos qui sont en train de faire de la trottinette! Je vais pas les déranger! Hein? Parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter! Bon! Ça commence fort cette Ligue 1 Conforama! Parce que la semaine dernière, c'était la reprise! Ouais, on jouait chez nous, à Louis II! Contre Lyon! D'entrée de jeu, on se prend une pété 3 buts à 0. Sans commentaire, l'arbitrage aussi. Déjà, depuis quand Fabregas il se prend un rouge? Hein? Juste parce qu'il a touché l'épaule. Et du coup, il se prend 3 matchs de suspension. Bravo la LFP. Hein? Et là? Là, rebelote. On se prend 3-0 contre Metz. Là, je suis obligé de réagir. Parce que j'avais pas réagi. J'avais pas fait de débrief parce que j'avais pas tout vu. Je me suis dit, ouais, hop, ça sert à rien. Et là, 3-0 contre Metz, les Messins du FC Metz, au stade Saint-Forien, je sais pas quoi, le stade Saint-Cyprien, on va dire. Ah ouais, Cyprien, le Mongolien, le petit voyen, comme dirait Cortex. Ils se prennent 3-0 chez eux, les anciens pensionnaires de Ligue 2, qui sont en Ligue 1. Vous avez pas honte? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Heureusement qu'ils sont là parce que j'aurais pété la rampe. Vous voyez le casque? Vous voyez ça? Là, j'ai envie de me taper la tête contre le poteau. Voilà! Le poteau même! Hein? J'ai envie de péter le poteau! Tellement que vous êtes des cancres! Hein, bande de merde! Voilà ce que vous faites faire à mon casque, bande de guignols! Hein? Vous avez beau aligner des recrues, mais vous n'êtes pas capable d'en faire un! Vous n'êtes pas capable de mettre un but. Il n'y en a pas un pour attraper autre. Il y en a marre de ça. Tout le temps, on perd. Tout le temps. Tout le temps. Hein? Tout le temps. Hein? Il se passe quoi, au juste? C'est quoi, ce bordel? Déjà, la saison dernière, c'était de la merde. Là, vous recommencez déjà. 2 x 3-0. Les gars, c'est pas possible! Soyez sérieux un petit peu, 5 minutes! Et le Jardim! Le Jardim, soi-disant, qui dit qu'on n'a pas besoin de DC! Pas besoin de défenseur central! Mais pas besoin de quoi? Pas besoin de défenseur central! L'autre guignol de Glick! Il y en a ras le cul! J'en ai ras le cul de lui! Et Jemerson au milieu, certes, c'est un défenseur central! Mais Jemerson! Mais j'en peux plus de lui! J'en peux plus de celui-là! Enfin bref, allez, on va parler de la composition. Bah, c'était du 4-2-3-1 classique sous l'ère de Leonardo Jardim. Voilà, 4-2-3-1, bon, avec des nouvelles recrues, bien évidemment. Benjamin Lecomte dans les cages, ça change un petit peu. À droite, Ruben Aguilar. Au centre, Glick Badiachil. Le retour de Badiachil qui fait plaisir. À gauche, Baloutouré, ça ne bouge pas. Au milieu, Jemerson, suivi de Bosquilia. Bosquilia, le retour qui fait aussi plaisir. À droite, Jason Martins, en 10, Golovin. À gauche, Onyekuru. Et en pointe, Wissam Ben Yedder, le supporter monégasque. Voilà, ça fait plaisir. Bon, en première mi-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu énormément de choses. Hein? L'ennui, on n'a fait que 3 tirs du match. Même pas cadré, je suppose. Là, jusqu'à temps que les médecins prennent le ballon. Voilà, ils attaquent. Là, la grosse main de Glick. Bon. Certes, il y a main, mais évidemment, quand c'est contre Monaco, on appelle la VAR, c'est tout à fait normal. Mais jusqu'à temps qu'il y avait un gros contact sur Onyekuru et pas de pénalty. Et là, il n'y a pas de VAR, parce qu'elle ne marche pas. Et ouais, toujours pareil, toujours la LFP, voilà. Toujours cette enculerie de LFP, cette grosse enculerie. Incroyable, c'est pas possible. Ça fait 2 fois qu'on s'est baisé par la VAR. 2 fois. Les arbitrages de Ligue 1, c'est pas possible, comme dirait mon collègue Tarek Débrief, là. Hein? Vous me faites perdre mes cheveux. Ben ouais, si ça continue, dans 1 mois, 2 mois, je serai chauve. J'aurai plus ma touffe. Je serai chauve à cause de vous. Incroyable. Bon, ok, penalty mérité, transformé par Diallo. Bon, 1-0. On se dit, ok, pas grave, y a pas de souci, on va se rattraper. Mais ça fait chier.
Mais non, pas du tout. On continue, on se reprend un par Diallo. Voilà, Diallo qui remet le but du 2-0. Faut se poser les questions. On se fait encore dominer, laver le cul, torcher. Voilà, sans commentaire. Bon, c'est incroyable. Quand je vois la défense de Glick au milieu de Jemerson, c'est incroyable. Et puis on dit souvent Badiachil, il est nul, c'est un cancre. Mais en même temps, si Jardim il aligne avec Glick, comment vous voulez qu'il soit aidé? Comment vous voulez qu'il fasse des bonnes performances? C'est lui qui se pète le cul, c'est lui qui se bat. Mais évidemment, d'en avoir marre. Voilà. Donc, Oleg Petrov, sors-toi les doigts du cul, s'il te plaît. Pour recruter un défenseur central, un bon, hein, Rougani, je sais pas ce que ça donne en négociation, je sais pas si ça a échoué ou pas, hein, parce que monsieur veut peut-être pas venir, vous peut-être aller voir ailleurs, je ne sais pas, mais là faut y aller, Petrov. Ok, c'est bien que tu aies recruté des bons joueurs, ok, c'est bien que tu te renseignes sur les gros noms, par exemple Icardi, Matuidi, j'en passe, mais recrute les postes les plus importants. Déjà, on n'a pas de 6, on est obligé de jouer avec Jemerson. Hein, parce que Jemerson, c'est bon, j'en ai... Tout le monde en a marre, que ce soit en défense ou au milieu, tout le monde en a marre. Là, faut recruter un 6, là. Là, ça va pas. Bon, deuxième mi-temps, Putain, mais la deuxième mi-temps, mais c'était n'importe quoi. Mais c'était une blague. Quoi, qui nous fait la misère. Diallo, pareil, tous les Messins nous font la misère. Ils nous pètent le cul, ils nous lavent pour le cul. Ils nous lavent. Il nous fait un lavage de cerveau, d'estomac, tout ce que vous voulez. Bah ouais. Et là, jusqu'à temps qu'à la 66e minute, voilà, Renaud Koua tire, mette le but, et puis voilà. Voilà, il met le but du 3-0. Et quand j'ai vu ça, c'était n'importe quoi. Non, mais je sais pas quoi dire dans cette deuxième mi-temps de merde. Tellement que c'est n'importe quoi. Le 3-0, il nous a démoli, mais... C'est fou, quoi. Non mais je comprends pas. C'est bien que Jardim ait aligné les joueurs comme ça. Bon, Jemerson, on n'avait pas le choix parce que... Voilà. Ce qui fait chier, c'est qu'on ait vendu Massengo pour jouer avec Jemerson au milieu. Voilà, non mais... Incroyable. Glick, Jemerson ne doivent plus jouer dans ce club. Voilà, ils doivent plus jouer dans ce club. Y en aura-tu? Voilà, j'ai tout dit la deuxième mi-temps et puis j'ai oublié de préciser sur le carton rouge d'Aguilar. Le carton rouge est mérité d'Aguilar. Ok, certes. Et plus que mérité que Fabregas lors du match face à Lyon. Mais voilà, il y a eu des fautes, mais voilà, on sifflait pas, quoi. C'est n'importe quoi. Voilà. Bon, bah je veux dire mes top et flop. Top, je dirais Golovin parce que voilà, évidemment. Des moments, ça a toujours été lui le meilleur joueur. Même en cas de lourde défaite. C'est le seul et unique top du match. Et le reste, que des flops. Enfin, sauf Benjamin Lecomte. Voilà, je vais pas. Sauf Benjamin Lecomte, Badiachil, Ben Yedder et Onikourou. Parce que voilà, il y a des recrues. Badiachil, bon, il n'est pas aidé. Hein. Mais le reste, enfin, même Bosquilia, je ne le mets pas dans les flops. Mais le reste, caca dans la culotte. Comme dirait l'ancien monégasque, caca dans la culotte. Caca dans la culotte, vous avez été. Voilà, vous avez été tous zéro. Bidon. Pitoyable. Incroyable. Et voilà. Et le casque. Le casque, j'ai envie de le péter en mille morceaux. Voilà. Racu. Prochain match, c'est Nîmes. Je crois que c'est chez eux ou chez nous, je sais plus. C'est dimanche. Alors là, vous avez intérêt à vous sortir les doigts du cul. Hein? Jardim, toi aussi sur les. Arrête d'aligner Glick et Jemerson. Hein? Mets Ponzo et Badiachil. Les gens vont me dire que c'est trop jeune. Mais on s'en fout. C'est juste Glick qui casse les couilles. Et puis le Jemerson, là. Hein, comme j'ai dit, Glick, Jemerson, ils ont... Ils doivent plus jouer au club, ils doivent plus jouer chez nous, faut les vendre. Ils sont indésirables. Des quiches. Depuis la saison dernière, quoi. Ils plombent l'équipe.
Moi, je veux un résultat. Pas un nul, pas une défaite. Encore moins une défaite. Je veux une victoire. Parce que, hein, deux fois 3-0, c'est inacceptable. Je suis désolé, c'est nimp. Il y en aura le cul. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire dans ce foutu coup de gueule. Hein? Puis, allez. Qu'est-ce que j'ai à dire? Bon, quelle que soit la situation, malgré la crise, bon là c'est le début de la crise, Dag et Mounegou. Je supporterai le club, je continuerai à faire des débriefs, hein, parce que les gens qui diront « Oui, mais tu fais des débriefs que quand Monaco gagne. » Bah, allez là-bas, parce que la porte est grande ouverte. Allez, sur ce, Dag et Mounegou.